Hi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dolagon Ball ou Dokkan Battle. Alors, le portail de ce matin est sorti, le Goku Ultra Instinct est sorti, c'est le portail de Noël. Et vraiment, le portail, il est très intéressant. Alors, il y a 4 types d'invocations, et donc je vais vous présenter ça, et en même temps faire mes invocations. J'ai déjà commencé un tout petit peu, et il me reste ma série de DS qui me a invoqué, plus mes tickets. Alors, le portail de Goku est très intéressant parce que d'abord, vous avez l'invocation à single à 5 DS. Vous avez un sucre d'orge de chaque type plus un ticket. Ensuite, vous avez l'invocation à 15 DS et vous avez cette fois-ci un Kame Sennin Papa Noël. Et donc, c'est l'équivalent, bien évidemment, d'un que vieux Kai pour ceux qui ne savent pas. Et vous avez un ticket Noël en plus. Et pour la multi à 30 DS, vous avez 7 personnages plus 3 tickets Noël, donc ça vous fait 5 tickets Noël. Donc si on fait la récapitulation juste de là, vous avez 11 personnages avec un sucre d'orge de chaque type plus un Kame Sennin. Mais là, vous avez le deuxième avec les invocations simples que je vous conseille de le faire vraiment à la fin. D'abord, bien évidemment, faites celui-ci. Et les invocations tickets, vous avez quelque chose de classe. Vous avez un personnage SSR garanti, chaque 5 invocations simples ou un personnage gratuit pour chaque multi avec 5 personnages. Donc là vous faites 5 singles, vous avez un SSR au bout du 5ème. Et là vous faites une multi, vous avez un SSR garanti. C'est le feu, franchement c'est le feu. Parce que le portail, je vais vous le montrer de suite, c'est un portail qui est excellent. Vous avez le Goku Ultra Instinct pour ceux qui ne savent pas, excusez-moi. Vous avez le leader de la catégorie divin et il a en même temps un petit leader d'intelligence. C'est pas pour moi son point le plus fort. Il a attaque et défense plus 70%, et quand il a 50% des PV ou moins, il a attaque plus 70% en plus, ki plus 3, et il a de grandes chances d'esquiver, et ça n'arrive qu'une seule fois par contre, lorsque c'est en dessous des 50%. Il fait dégâts immenses, augmente l'attaque, donc c'est génial. Hein. Niveau des liens, il n'a pas encore combat acharné ni brisé à la limite, parce qu'il ne fait pas partie de ceux qui ont de Dokkan, ou que ce soit Rebirth ou Dokkan Festival. Donc on verra. Peut-être qu'ils nous en sortiront un après la saga du tournoi du pouvoir, tout simplement. Nous avons le Gogeta qui est le Neo Gautier, le meilleur Neo Gautier du jeu, quoi. Vous avez les deux Neo Gautier Intelligence, donc avec vous avez le Bou Petit, qui sont tous les deux vraiment bien. Et bien évidemment, le Gogeta, il tapera toujours des tatanes de l'espace. Et ensuite, vous avez les autres personnages divins importants. Donc vous avez le Jubai, le Vegeta, le Goku, le Végéto Blue et Rosé, et vous avez le Gatai et le Beerus. Bien évidemment, vous avez aussi les autres personnages qui sont pas de canne exclusivité, comme par exemple le Timebreaker, l'autre Goku Blue, Agilité, et plein d'autres personnages. Alors, bah du coup, c'est parti pour mes trois dernières multi, enfin, ma single, ma petite multi à 3 et ma petite multi à 7, et ensuite, mes tickets. J'espère que je vais invoquer du lourd, j'ai déjà invoqué le Goku Ultra Instinct, un Jubai et des petits SSR. Alors là je vais faire ma dernière série, plus mes multi-tickets. Alors mon objectif, comme la plupart d'entre vous, c'est d'obtenir l'Ultra Instinct. Bon moi du coup je vise au moins un doublon pour essayer d'avoir son attaque Kamehameha qui est plus intéressante avec augmente l'attaque, pour avoir l'attaque en plus. Et j'aimerais bien avoir des doublons de Gogeta que je n'ai toujours pas. Allez c'est parti, on va faire l'invocation directe. Et souhaitez-moi bonne chance. Allez, c'est parti pour la première étape, la single qui nous donne en même temps les sucres d'orge. Alors, vous pouvez invoquer du SSR bien évidemment dans chaque personnage, hein, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui débutent tout simplement le jeu. C'est en tout cas un très bon moment pour débuter. Alors, Super Saiyan 2, donc j'ai un SR garanti avec les sucres d'orge. Alors, qu'est-ce que j'ai? On commence avec un petit Gohan, allez, pourquoi pas. Pour ceux qui ne savent pas, ce Gohan, il est intéressant parce que vous pouvez le Dokkan... il a un petit rebirth en Great Saiyaman et il réduit fortement l'attaque ce Great Saiyaman. Donc vous avez vu que j'ai reçu déjà les sucres d'orge. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez passer à la multi à 15, la petite multi à 3, où j'aurai le Kame Sennin plus le ticket. Dans tous les cas, ils vous afficheront ici ce que vous allez avoir. Allez, la petite multi à 3 personnages. Est-ce que je vais choper quelque chose? Voyons voir. Est-ce que déjà ça tient à gauche? Donc ça peut être tout ou rien. On n'a pas de SSR garanti. Alors, et s'il se transforme pas, j'ai un SSR garanti. Ah, il s'est transformé. 11 n'a pas de SSR garanti. Alors, SSJ2. Pas de SSJ3. En général, il y a très peu de SSJ3 quand on a le arc-en-ciel. On commence avec... Oh! Un petit SSR. Ok, pourquoi pas. Ok. Enfin, j'ai fait un O parce que je m'attendais pas à invoquer un SSR, en fait.
Allez, bah écoute, un SSR, allez, on prend. Je l'avais déjà, mais j'avais pas de doublon. Bah écoute, ça fait un doublon. Un Dabra. Et enfin, un petit. Magueta. Ok. Bon, j'ai mon Camécénine, un petit SSR malgré tout. Bon, c'est pas le meilleur, bien évidemment, mais ça reste quand même avec le ticket Noël en plus. Et donc maintenant, ma multi à 7. Et ensuite, on fera mes fameuses invocations de tickets. Allez, est-ce que j'ai un SSR garanti ou pas? Alors, voyons voir, est-ce que j'ai Shenron? Est-ce que Shenron apparaît? Non, il apparaît pas. Ah, ça peut être une petite cacarotte sur celle-là. Attention, il se transforme. Et par contre, n'oubliez pas que les multi tickets ou les chaque 5 singles, c'est bizarre à dire, vous avez un SSR garanti. On commence avec la Seigneur du Temps. Kaioshin du Temps, pardon, je pense que je dis Seigneur du Temps. Ensuite, le Goten. Minable. Nous avons ensuite Bojack. Encore, il peut servir, pour ceux qui savent pas, il peut se dokan en Bojack Pui, qui est sympa pour un personnage, on va dire, qui est facilement accessible. Un petit Trunks. Ah là là, ça sent pas la lourdeur, cette multi. Hein. Ça sent pas la lourdeur. Un Gohan. Oh, Guldo. Y'a personne d'autre, vraiment. Oh là là, la petite cacarotte. Bon, bah du coup, je vais ramasser mes derniers tickets. Et je vais faire mes invocations avec le SSR garanti. En espérant choper, du coup, ben, un doublon de mon Goku Ultra Instinct que j'ai déjà eu juste avant. Et en espérant avoir du Gogeta. Allez, c'est parti. Invocation de mes tickets. Alors, du coup, je vais commencer par faire. Je vais faire une multi. Une multi de single. Après, on va refaire ma multi. Alors, bon, là, du coup, il y a un SSR garanti. C'est obligé, c'est sûr. Donc, si je vois Shenron, c'est normal. Voilà, c'est normal s'il y a Shenron. Des fois, vous n'avez pas Shenron, des fois, vous avez le Bye Guys, ou des fois, vous avez juste un SSJ2, tout simplement. Mais la question est, est-ce que j'ai deux SSR ou un? C'est ça, la question. Et quel SSR va tomber? Alors, on commence avec le Sonzer. Je rappelle que c'est le dernier personnage, le SSR garanti. C'est-à-dire que si vous avez un SSR avant le 5e, c'est que vous avez deux SSR. Table, non, je veux pas toi. Ensuite, Janemba, que j'ai en 40 exemplaires. Ensuite, le Yamcha. Et donc, le SSR, il arrive. Et il s'agit... Ah! Ok. Ah. Je l'avais déjà avec un doublon. Bon, je vais le mettre un deuxième doublon. Bon, il a une spé farmable avec les Goku SSJ2 End que l'on peut invoquer. Il est très très important dans la team Super End, mais Super Pui, pardon. Mais si vous l'avez déjà comme moi, bon, bah, autant le mettre dans l'arbre. Allez, on va faire une single. Chaque 5 singles, nous avons un SSR. Alors, nous avons quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Il se transforme. Bon, là, ça peut être tout. Enfin, ça peut être un SR ou un SSR. Ça peut être l'un ou l'autre. Attention, SSJ2. Ensuite, on a rien. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, Satan. Bon. Il va finir chez Baba, vu que pour Satan, il est déjà LR et j'ai un deuxième qui est déjà Spedis. Donc, du coup, lui va me servir à rien. Allez, deuxième single. Un Satan à droite. Bon, là, de toute façon, avoir invoqué en single un SSR sans le SSR garanti, c'est compliqué. Alors, SSJ2. Pas de SSJ3. Qu'est-ce que tu me donnes? Pfff, 7-8. Oh! Bouh! Allez, on fait la troisième single, après on fait une multi. Étape 1 à 4. Alors, qu'est-ce que j'ai? Satan à droite. Bon, il va pas m'invoquer. On va voir si la multi va mieux me porter chance. Alors, SSJ2, pas de SSJ3. Que vas-tu me donner? T'aimes bien me donner C18, toi, hein? Je sais pas pourquoi, mais tu me donnes deux C18 d'affilée. Ok, ok, pourquoi pas. Allez, on va passer à la multi, puis ensuite on va faire les deux dernières singles pour avoir le SSR garanti. Donc là, nous avons un SSR garanti encore une fois. Allez, donne-moi un bon SSR, s'il te plaît. Un bon SSR garanti, s'il te plaît. Un SSR au moins du... Allez, au moins un Gotier. Un équivalent du Gotier, s'il te plaît. Genre Rosé, Blue. Rosé et Blue, j'ai toujours pas de doublon sur ce compte. Sur mon compte japonais, j'ai deux doublons sur Blue. Mais Rosé, je n'ai pas de doublon. Ni Blue sur mon global. Encore Dabra. En troisième, Piccolo. Quatrième. Bon, encore un seul SSR sur la multi. Et j'ai... Ah, ben voilà! Enfin, un doublon de Rosé! J'en perds mon micro.
Enfin un doublon de rosé. Punaise, il était temps que j'invoque un doublon de ce rosé. Ah mon rosé, ça fait tellement... Depuis le jour où je l'invoquais, le jour de sa sortie, j'ai pas eu un seul doublon sur tous les portails où il est sorti. Ah bah enfin, ça fait plaisir. Bon bah voilà, un perso qui fait plaisir, enfin. Allez, on va fermer deux singles en ayant la deuxième single en SSR garantie. Et ensuite, j'aurai deux dernières multi, c'est-à-dire que j'ai potentiellement trois SSR en plus, minimum. Ah, et te transforme pas, beaucoup te transforme pas. Ah, dommage. N'oubliez pas que si vous avez le relâche arc-en-ciel et qu'il se transforme pas, c'est un SSR sûr. Alors, est-ce que j'ai un SSR avant le SSR garantie? Non. Un baby. Baby, ok. Allez, la dernière single qui me donne le SSR garantie. Voyons voir qui ça va être. Allez, Shenron ou un Bye Guys? 1, 2, 3, 4. Des fois, vous avez vu, on a 4. On en a 4 et on sait pas qu'on a le SSR des fois. Alors, que va-t-il me donner? Allez, un Gogeta, s'il te plaît. Je demande beaucoup, je sais, je demande beaucoup. Mais allez, pourquoi pas 20? Oh, punaise, non, pas lui. T'es sérieux de me donner ça? Pourquoi celui-ci de SSR que j'ai déjà? En doublon. Bon, ben. Allez, on va faire deux dernières multi. Ah là 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 là. Décidément, il me porte pas chance. Hein. Bon, encore un vieux Kaioshin. Oh, vieux Kaioshin. Encore un Shenron avec le SSR garantie. Hein. Le classique, on va dire, quand c'est SSR garantie. J'ai un Bye Guys d'ailleurs. Allez, un petit Bye Guys. Est-ce que le Bye Guys va-t-il me porter chance? Ah non, tu as veillé ma couleur. Excuse-moi. Alors, en couleur Freezer. Putain, ce qui m'arrive aujourd'hui. Ciao, Zou. Encore un nail. Ah, un SSR encore. Attention, qui j'ai. Ma, qu'est-ce que c'est que ça? Tu me donnes ça? Vraiment? Vraiment le jeu? Tu oses me faire ça? Allez, dernière multi. Je suis plus chanceux en multi qu'en single de toute façon. Mais bon, là, la single m'a donné rosé quand même. Ah, le jeu, t'es sérieux. Bon, allez, dernière multi gratuite. Enfin, gratuite, avec le SSR garantie. Qui va-t-il me donner? Ah, je sens que ça va être bizarre. Allez, c'est de bon, je vais pas me plaindre parce que j'ai quand même déjà eu le Ultra Instinct juste avant. Un Gohan du GT. Ensuite, C17. Troisième. Encore un Chaozu. Quatrième, une Videl qui elle aussi se docane en Great Saiyaman 2. Et le SSR qui est... Vegeta, que j'ai déjà avec 4 doublons, donc il va m'augmenter l'aspect tout simplement. Mais bon, c'est déjà mieux que les autres SSR que j'ai eu. Bon, ben c'est quand même pas mal. Bon, si du coup je fais la liste de tout ce que j'ai eu en SSR juste avant, j'ai quand même eu du très bon. Hein. J'ai eu le Goku, j'ai eu dans la deuxième, dans la multi à 30 de la première que j'ai faite, je l'ai eu. J'ai eu le Jubai dans la même multi, ensuite j'ai eu cela. Bon, je retiens quand même que j'ai eu Rosé en doublon et ça fait plaisir aussi. Bon bah voilà, du coup, j'espère que vous avez invoqué aussi bien que moi ou équivalent. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. Et du coup, je vous souhaite bonne chance si vous n'avez pas invoqué et à la prochaine.